François? Oui, Clément. Toutes les serrures là, elles sont uniques et elles ont besoin d'une clé unique pour s'ouvrir. Eh oui, d'autant plus unique que chacune a son ornement. Ouais. Et les serrures là, ouais. Elles sont décorées à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire ça sert à rien, c'est caché, c'est mis dans la porte, quoi. Ça pourrait être comme en musique, comme si chaque serrure était une note et qu'il faut trouver la clé pour ouvrir cette note, pour qu'elle nous livre son secret qu'on ne peut pas entendre. Oui. LL 28 D 8 I 26 F 8 AA 26 E 28 B. Touche écoulée. Enfin, ouais, un peu. Mais c'est surtout l'indication qu'il y a sur la partition que vous venez de jouer avec Léo. Là. Alors, j'aimerais savoir à quoi ça correspond tous ces petits trucs. Je vais te dire. Donc, je prends le traité, hein, donc l'essai de Quantz, ouais. 1752. Donc, par exemple, on prend le 28 D. C'est pas, ça fait ah oui, alors. Donc, Ré, fort. Ré et fort. Do, ouais. Doux, oui. Si, fort, mm. La, qui est la petite note suivie du Sol avec le tremblement, doux. D'accord, tu peux nous le jouer, c'est pour voir ce que ça donne. C'est tout. C'est tout. Enfin, je veux dire, on est passé de trucs presque cryptiques à un lexique difficilement lisible pour quelqu'un qui n'a pas les armes. Pour jouer juste ces quelques notes. Et donc, tout l'adagio est annoté comme ça. Pourtant, là, la phrase que tu viens de faire, c'est quelque chose d'un peu traditionnel de l'époque. Enfin, on voit ça un peu partout. Enfin, là, c'est joué d'une manière particulière. Comment tu le jouerais, toi? Comment on l'apprend, par exemple? Parfois. Ouais, ça, c'est un truc qui sonne dans ma tête. Ça ressemble à un truc qu'on connaît à peu près tous. On pourrait jouer. De Jean-Sébastien Bach, enfin, c'est un contemporain de Quantz, là, hein, vraiment. Oui. Et là, jouer, bon, déjà à la flûte et au théorbe avec toi, Léo, on s'est jamais entendu ça, mais ça marche bien. Mais par contre, il y a une manière de jouer. En fait, est-ce que là, quand tu joues cette aria-là, tu penses à ce que Quantz a donné comme indication dans son adagio pour jouer ces phrases assez typiques de l'époque? Oui, notamment. C'est-à-dire que je m'inspire évidemment de tout ce que j'ai lu dans le traité de Quantz et puis de ce que j'ai lu par ailleurs. Voilà, c'est tout un ensemble, disons, de choses qui permet de prendre des décisions d'interprétation. Parce que là, sur la partition de l'aria, il n'y a rien en indication de nuance, alors que là, si je lis la partition de l'adagio, il y a Og, parce que toi, tu en as fait une édition, oui. Évidemment. Alors, effectivement, cet adagio de Quantz est particulièrement intéressant à cause de toutes ces indications qu'il nous donne. Ouais. C'est le but de la publication de cet adagio dans les exemples de la méthode, c'est de donner le caractère et les nuances propres à chaque note. À l'intérieur de la phrase, en fonction de la phrase. Et donc, il dit, en général, il utilise quatre indications principales. Fort, doux, augmenté, diminué. Sauf que si on les met sur la partition comme tu l'as fait dans ton édition, ça fait OG, D, P, F et OG, F et D, D, F, 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 D. Oui, on se sent un petit peu contraint par toutes ces indications. Mais bon, en tout cas, ce qu'il nous indique, c'est comment donner du relief, voilà, à la phrase musicale.
Et si on reprend justement le tout début de l'aria, là, le relief, tu pourrais rejouer comme vous venez de le faire là. D'habitude, c'était très carré comme ça, et là on a l'impression que ta flûte elle disparaît, enfin ça diminue vraiment comme une disparition de flûte. Exactement, il y a de l'ombre qui arrive, et c'est précisément les termes de Quantz. Il nous explique qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre toutes ces indications qu'il nous donne dans cet adagio, hein, fort, piano, mais qu'il faut prendre ça plutôt comme le fait de mettre de l'ombre et de la lumière dans son jeu. Et il fait la comparaison avec la peinture et il parle des mezzetinte, donc des tons, des gradations comme ça, qui vont imperceptiblement de l'ombre à la lumière. Est-ce que tu pourrais nous montrer un passage dans l'adagio où on passe vraiment de l'ombre à la lumière de manière assez franche pour qu'on comprenne ce que ça veut dire ? Il y a une mesure entière où c'est marqué tout dé, c'est-à-dire tout doux, tout doux, du début jusqu'à la fin de la mesure, et ensuite tout est fort. Ah, d'accord. Voilà. Mais alors, là, il n'y a pas la mezzettine, là, comme tu disais, l'endroit. Absolument. Là, effectivement, on reste dans voilà, avec pas beaucoup de mouvements de poitrine, c'est-à-dire qu'on est reste assez doux, comme ça, dans le doux, très très plat, presque. Et après, on augmente chaque note dans le forté. Alors, par contre, effectivement, un peu plus loin, on a des augmentés, des diminués sur chaque note. Et ça permet effectivement d'avoir ces gradations imperceptibles. Là, tout à l'heure, c'était marqué sans beaucoup de mouvements de poitrine. Là, il y en a pas mal des mouvements de poitrine. Énormément. On passe absolument. Du doux au fort, mais c'est très rapide. Là, c'est F, et après, les petites notes sont douces et direct, c'est augmenté. Qu'est-ce que ça raconte de cette phrase qui monte là progressivement ? Bien souvent, une note longue, de toute façon, on la joue rarement toute plate, ou alors pour faire un effet particulier. En général, on l'augmente, on la diminue. Là, effectivement, on augmente, ça accompagne la montée hein, de progressive. On voit bien que cette phrase est en ascendante, et puis à un moment donné, on a trois doubles croches là qui sont douces, qui sont un petit ornement, et les trois doubles croches qui suivent sont fortes parce qu'elles sont à l'issue de cette montée et qu'elles nous invitent à conclure. Et on arrive à la conclusion, donc voilà, là on joue fort et on donne une direction. Mais est-ce qu'une partition comme celle-ci qui est exceptionnelle, on n'en a pas d'autres exemples, dire Quant, ça fait quelque chose où il a noté tout, est-ce que c'est pour toi une manière de remettre en question ta manière d'interpréter cette musique, la musique de l'époque ? Oui, alors d'une façon, ça confirme en tout cas certaines indications qu'on a par ailleurs dans d'autres sources. Et puis également, ça donne des idées, parce qu'effectivement, il y a des choses que j'aurais sans doute, enfin bien sûr, il y a plein de choses que j'aurais pas eu l'idée de faire là. Là, tu as un exemple par exemple quelque chose. À la fin de la phrase, on aurait pu imaginer de la faire plutôt douce. Alors qu'il nous indique au contraire de jouer doux et puis de jouer fort par la suite. D'affirmer la dernière phrase. C'est ça, d'aller jusqu'à la fin finalement. Ouais. Mais donc toi, tu as cette distance, tu calcules, tu dis bon, voilà, tu as cette culture. Mais un jeune musicien qui interprète pour la première fois l'adagio, qui suit exactement les indications de Quant, est-ce qu'il serait tout de même dans le style, le style de l'époque ? Comment savoir ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais disons, de même que les notes de musique s'interprètent et de même que les notes de musique demanderaient de les avoir entendues pour pouvoir les rejouer comme il convient, eh bien, c'est la même chose de ces indications, augmenter. Eh bien, il y a plein de façons d'augmenter, plein de façons de jouer fort, de jouer doux. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le principal, c'est d'essayer de trouver une qualité de geste avec cet exercice-là. Avec le petit je ne sais quoi, parce que quand je vois d'une manière flatteuse et traînée, waouh! Thank you.
Thank you.